L'univers de l'écriture est énorme. Depuis que je travaille avec les auteurs, j'ai été impressionné par la passion qui les anime. Écrivons ensemble le prochain chapitre. Bonsoir à tous, bienvenue sur le groupe auteurs, blogueurs et lecteurs Même Passion, où j'ai le plaisir ce soir de recevoir notre deuxième invité auteur pour les lives du mois de juin. Donc bonsoir Aurora, merci à toi d'être parmi nous ce soir. Bonsoir Florian, bonsoir à tous. Voilà, donc je salue toutes les personnes qui sont là, hein, je vois déjà des noms qui circulent, hein, je vois Dorian Soubiel, bonsoir Dorian, ça fait plaisir que tu sois là, Mathis qui est là, Xavier Antoine, Carl Gray qui est là aussi, et je vois Charles Aubert qui est là aussi, donc bonsoir Charles, on va avoir l'occasion de parler un petit peu de vous
Je salue également Aurélie et Sonia qui viennent de nous rejoindre. Donc voilà, donc bonsoir à tous. Merci d'être parmi nous ce soir, en ce jeudi soir. Voilà, tranquille. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, mais en tout cas, on est bien. Il a plu là, ça a été l'inverse et puis là, ça s'est arrêté, mais ça fait du bien après les chaleurs. Voilà, exactement. Donc, ce que je te propose tout d'abord, Aurora, en te remerciant encore une fois d'être parmi nous. Donc, tu vas nous parler de ton roman Douce Esquive, où je tiens à rappeler que tu as accepté donc d'offrir un exemplaire broché pour l'un des participants ce soir. Donc, pour ça, je te remercie ainsi que ta maison d'édition, les presses littéraires. Tout d'abord, avant de commencer et avant les premières questions, est-ce que tu peux nous dire qui est Aurora Victor? Aurora Victor, alors je suis toulousaine, j'y suis née, j'ai grandi dans le Tarn-et-Garonne. Je suis auteur depuis officiellement, du coup, depuis 2020. Mon livre est paru l'année dernière au mois de juillet. J'ai toujours écrit, donc je ne sais pas si on peut dire d'une personne que. Qu'elle devient auteur ou qu'il devient auteur ou qu'elle devient auteur ou autrice, je sais pas comment on peut dire, non, tout le monde dit au moment où son livre sort, mais en tout cas, enfin moi pour ma part, je considère que ça a été une étape dans ma vie, voilà, au niveau de l'écriture. D'accord, ok, bah merci à toi. Je salue Nabila qui vient d'arriver. Bonsoir Nabila, merci à toi d'être là. Est-ce que tu peux justement nous dire comment tu t'es lancée dans l'écriture? Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est parti d'où. Apparemment, quand j'étais petite, j'écrivais des petites histoires. Je m'entends là. J'entends un écho. Ah non, on est bon. Tout, au niveau du son, tout a l'air parfait. Dites-nous en commentaire si tout est parfait, mais il me semble que c'est ok. Ok, bon, ben, je continue. Non, en fait, j'ai commencé à écrire, j'avais ouais, 6-7 ans, mais c'était des petites histoires. Puis après, à l'adolescence, un journal intime. Et puis ensuite, j'ai essayé de construire des histoires un peu plus tard, autour de 20 ans. Et puis ensuite, j'ai passé le cap de vouloir écrire un roman. Je dirais, j'avais 28 ans, c'était assez récent finalement. D'accord, ok. Et justement, donc tu as écrit dans ton premier roman, donc Douceur Esquive, qui est donc paru en juillet 2020, tu l'as dit, chez les presses littéraires. Justement, est-ce que tu peux nous en parler de ce roman? Oui, bien sûr. Alors, Douce Esquive, c'est l'histoire de Fantine, qui est comédienne toulousaine. Un beau jour, alors qu'elle s'apprête à aller faire le marché des carmes, elle trouve une lettre sur le pas de sa porte. Et cette lettre va l'amener à être en quête de son passé, d'une personne. Et je ne vais pas aller plus loin, parce qu'après. voilà, d'une personne, et c'est surtout en vrai une histoire de femme, une histoire de pardon aussi. Voilà, c'est un cadre que je connais, ça se passe à Toulouse, enfin, c'est voulu hein, parce que enfin, j'aime beaucoup ma ville et je voulais pouvoir faire des descriptions de lieux que je connais. C'était assez intéressant comme travail d'écriture. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire ce roman en particulier et pourquoi chez les presses littéraires? Ce qui m'a donné envie d'écrire ce roman, en fait, je venais de quitter mon emploi en 2018. Je me suis isolée dans une petite maison dans mon village d'enfance, donc Bruniquel, dans Tarn-et-Garonne. Et en fait, j'ai essayé de. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai construit une trame, en fait, une sorte de squelette du roman, en fait, en mettant des petites annotations par chapitre, et puis après j'ai fait grossir ces chapitres, j'ai créé mes personnages, j'ai voilà. D'accord. C'est Et justement, il y a une question intéressante de Aurélie, que je salue et qui est là ce soir, et je ne vous oublie pas, chère Aurélie, qui demande quel est le genre littéraire de ton roman? C'est Bonsoir Aurélie. Donc mon roman, c'est un roman à suspense. Que l'on peut qualifier de thriller psychologique. Alors, c'est pas un thriller violent, on va dire, comme certains bouquins. Enfin, c'est pas ancré autour de la violence. Voilà, c'est vraiment une histoire psychologique. C'est
essayé d'écrire un roman à sentiments, mais un roman à émotions surtout, en fait. J'ai beaucoup axé l'histoire sur l'émotion, ce que les gens et ce que les personnages du roman peuvent ressentir. Voilà. D'accord, ok. Merci à toi. Donc, je salue Cécile Carello, une auteure et qui est là aussi et que je tiens à remercier de sa présence. Justement, et quels sont les auteurs qui peuvent t'inspirer, si tu en as? Oui, il y en a plusieurs, donc j'aime bien. En fait, c'est marrant, mais j'ai commencé à lire. Je lisais beaucoup d'auteurs hommes, finalement. J'ai lu Patrick Diano. J'ai une anecdote sur l'un de ses livres, L'herbe des nuits. Je l'ai lu en une nuit sur la plage de Barcelone, dans une voiture. Vraiment, j'aime bien lire dans des contextes un peu particuliers. J'ai lu Frédéric Lenoir, pareil, j'ai raté un train à la gare. Matabiau à Toulouse, juste parce que je voulais finir le roman. J'ai lu, et puis en fait, au bout d'un moment, voilà, j'ai lu plusieurs auteurs hommes, et puis je me suis rendu compte que je lisais pas beaucoup de femmes en fait, et je me suis mis à lire de grandes penseuses comme Simone Veil, Virginia Woolf, Ah oui. et ouais, je suis partie un peu dans ces lectures-là parce que des lectures féministes du coup. Et ça m'a beaucoup appris. Je pense que ça a dessiné un peu ma personnalité d'autrice aussi. Voilà. D'accord. Karim Diazid, bonsoir Karim, qui nous dit bonne émission et qui malheureusement ne peut pas rester. Big up à tous les deux. Merci à toi Karim et encore bravo pour ton intervention ce matin sur France Maghreb. C'était très intéressant. Et d'ailleurs, je profite de la petite parenthèse pour vous inviter à découvrir, puisque ce n'est pas un auteur, mais c'est un acteur. Et franchement, il D'accord. mérite d'être connu, puisque ben voilà, on fait la promotion sur ce groupe des auteurs, mais les acteurs font aussi partie du monde de la culture qu'il faut défendre, surtout en ce moment. Donc voilà. Merci à toi, Karim, d'être passé. Petite question intéressante, chère Aurora. Est-ce qu'il y a des thèmes, par exemple, d'écriture que tu ne pourrais pas aborder? Je pense que je ne pourrais pas aborder, par exemple, je serais incapable d'écrire. Qu'est-ce que je serais incapable d'écrire? Peut-être des romans à l'auteur pur et dur. D'accord. Voilà. Je pense que axer un roman autour d'une histoire d'amour, déjà c'est un grand travail, hein. C'est un grand travail. Enfin, tout roman demande du travail et de la rigueur, mais je pense que je pourrais pas. Parce que je pense que comme si c'était axé voilà, autour d'une histoire, j'aurais peur de retranscrire ma vie ou ce que j'ai vécu. Ouais. D'accord. Donc en tout cas, je rappelle, hein, on le voit à l'écran, qu'il y a un exemplaire broché de ton roman, donc Douce Esquive, à gagner ce soir, parmi toutes les personnes qui auront posé une question ce soir. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à Aurora, hein, il n'y a pas de limite de temps, hein, juste quand la lumière s'éteindra, ça veut dire qu'il sera temps d'arrêter. En tout cas, voilà, posez toutes vos questions à Aurora, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions taboues, sauf si tu en Non. as. Non, voilà, il n'y a pas de questions taboues, donc n'hésitez pas. En attendant, est-ce que tu accepterais de nous lire un petit extrait de ton roman? Ouais, bien sûr. Alors, j'ai sélectionné cet extrait. C'est parti alors. Elle se met à courir sur un sentier terreux, s'enfonce sous les conifères, puis s'arrête pour crier à plein poumon. Elle hurle de rage. Une chouette blanche passe au-dessus de sa tête. Elle lève les yeux vers le ciel, mais ne le voit pas vraiment. Les hauts arbres, les vieux chênes dominent le bois. Elle poursuit son chemin le long d'un profond fossé. Le sol tapissé de feuilles mortes camoufle le bruit de ses pas. Sans faire attention, elle trébuche sur une pierre enfouie dans le sol et glisse dans la boue. L'obscurité de la nuit noircit le paysage. Un pincement déchire la poitrine de Fantine. C'est terrible comme elle a mal. Elle se dit que Myriam est sûrement morte à l'heure qu'il est, qu'elle est arrivée trop tard. Elle se sent pathétique et n'arrive même pas à pleurer seule dans ce fichu bois. Difficilement, en trémulant, elle se redresse et regagne la route de l'autre côté de la forêt de Kanda, à 1 km de là. Sur le bitume, un chauffard qu'elle n'a pas vu arriver manque de l'écraser. Il la dépasse, la klaxonne, fait une marche arrière express et ouvre la vitre pour l'insulter. Comme si elle n'était plus en vie, elle n'entend pas ce qu'il lui dit. Elle est meurtrie. Alors qu'il continue à se fâcher,
Elle ne fait plus attention aux injures et rentre à pied au domaine de La Fontaine. Myriam n'est plus là. Elle se dit qu'elle ne la reverra jamais. Les vêtements et les mains pleines de terre, elle ne sait pas qui de la boue ou d'elle salit le plus l'autre. La culpabilité la frappe, l'assomme et lui brise les entrailles, si bien qu'elle voudrait arrêter le temps, se perdre dans l'air, sortir de son corps ou connaître un autre sort. Elle accélère le pas, elle se remet à courir, elle ne considère plus les couleurs et ne sent plus les odeurs. Merci à toi, chère Aurora, pour cet extrait, donc on le rappelle, hein, de Douce Esquive chez Les Presses Littéraires. On va avoir l'occasion donc de parler de cette maison d'édition. Mais il y a une question intéressante de notre chère amie Sonia qui te demande, est-ce que tu as une idée pour ton prochain roman? Oui, alors j'ai commencé à noter des idées. En ce moment, bon, je viens d'avoir un petit bébé, comme tu sais. J'ai pas Félicitations. trop. Voilà, merci. Je suis bien occupée. Puis après, par des obligations professionnelles en dehors de ce travail d'écrivain. Donc en fait, je me suis fixée en tout cas comme délai fin 2022 pour mon prochain roman. Et ce sera un roman sur la transmission générationnelle. Voilà. D'accord. Pourquoi ce thème en particulier? Parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres et je pense qu'aujourd'hui chacun et chacune nous avons tendance à être un peu dans notre monde et peut-être aussi avec les technologies tout ça il y a eu une fracture je trouve entre les différentes générations et voilà j'ai envie d'écrire une jolie histoire transgénérationnelle voilà avec C'est intéressant justement ce que tu dis, parce qu'on reçoit souvent des auteurs qui nous disent, et c'est un petit peu comme le cas de Karim, qui disait ce matin à la radio pour les acteurs, c'est que souvent on a tendance à mettre les gens dans des cases, et on a souvent peur en fin de compte de les voir dans un autre style. Est-ce que par exemple toi tu as peur quand te... Ben en fait, j'ai quand même commencé, je te l'ai pas dit hier, parce que j'attendais qu'on soit en live, c'est mieux que tu le découvres en même temps que les personnes qui regardent. Non, mais j'ai écrit 7 petites parties, parce que pour ceux qui liront mon livre, j'écris des petites parties, comme le font beaucoup d'auteurs maintenant. Et j'ai écrit 7 parties, je me rends compte en fait que j'ai la même essence en fait, j'ai la même manière d'écrire. Donc finalement, je pense qu'un auteur, il ne devrait jamais avoir peur de sortir de son style. Voilà, parce que dans tous les cas, on garde notre patte, ce qui fait notre écriture. Bien sûr. Et justement, pour rebondir là-dessus, il y a une question très intéressante de Sonia qui demande, est-ce que tu te mets des barrières quand tu écris? Je m'en suis mis quelques-unes. Je m'en suis mis quelques-unes. J'ai, comme tout le monde, eu peur à un moment donné d'écrire certains passages de mon livre parce que peur de retranscrire ma vie. Et justement, en fait... Je pense qu'à ce moment-là, quand on est en train d'écrire son roman, il est important de prendre un papier à part, d'écrire ce qu'on a envie d'écrire même pour soi. Parce que moi, j'ai toujours écrit aussi pour moi, pas forcément des romans. Donc, pour ma part, en tout cas, je sais faire la différence entre mon histoire, voilà, et ce que j'ai envie d'écrire personnellement pour me vider la tête. Voilà. D'accord. Et justement, une nouvelle question de Xavier Antoine, que je salue. Quand choisis-tu ton titre? Voilà, quand tu choisis ton titre, c'est plutôt pendant, avant ou après l'écriture du roman? Alors là, pour le coup, j'avais bien envie de le choisir au milieu de l'écriture, au milieu du roman à peu près. Enfin, je savais même pas que j'étais au milieu à ce moment-là parce que je savais pas, j'étais pas au bout. Mais finalement, j'ai vraiment choisi le titre vers la fin mais je savais vraiment pas, au milieu, j'ai eu un petit flip parce que je me disais, mais comment je vais l'appeler ce roman parce que j'ai l'histoire. Et finalement, je crois que ça vient tout seul à un moment donné, quoi. Oui. Et est-ce que tu préfères choisir un personnage masculin, féminin et pourquoi? Là, pour le coup, c'est un personnage féminin, plusieurs personnages féminins, même s'il y a quand même des personnages masculins. Mais les personnages féminins sont très présents. Tout simplement, bon, c'était pour... Vous savez, tu sais, j'ai écrit sur au même moment qu'il y a eu le mouvement MeToo. Enfin, c'est des choses. Il y a une liberté de parole supplémentaire qui s'est
qui s'est faite. Et du coup, moi, j'avais envie vraiment de m'inscrire dans ce mouvement-là parce que pour moi, il était important. Il m'est arrivé en dédicace qu'on me dise « Ah, mais c'est parce que c'est la mode. » Non, pas du tout. C'est parce que je pense que comme beaucoup de femmes ou même d'hommes d'ailleurs, j'avais envie d'écrire sur des femmes, quoi, parce que ça manque de personnages féminins dans la littérature, c'est pas une légende. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est tout à ton honneur de vouloir en parler. Aurélie qui nous demande, et combien de temps as-tu écrit ce roman? Je dirais au début 2 mois, la nuit essentiellement. J'écrivais donc la nuit. Ensuite, je me suis arrêtée un petit peu. Et puis ensuite, j'ai participé à un concours avec la marraine de votre groupe, aux côtés de la marraine de votre groupe, Virginie Lloyd. Que je salue d'ailleurs. Bonsoir Virginie. Bonsoir Virginie. Et du coup, elle est là, là? Non, je l'ai pas vue, mais j'imagine Bon, ben, qu'elle dès qu'elle viendra nous verra le faire. replay, Oui, elle sera contente pour je les lui fais faire des du coup. gros bisous en tout cas. Voilà. Et ben, en fait, je l'ai connue parce que je travaillais dans une librairie à ce moment-là, cette autrice toulousaine. Et elle m'a parlé du groupe de la maison d'édition Mazarine qui faisait un concours. Je me suis présentée. Bon, on n'a pas été retenue, mais ça a été une sacrée expérience parce que j'ai connu plein de personnes très intéressantes, des écrivains indépendants ou non. Et du coup, voilà, ça m'a reboostée pour finir mon roman parce qu'en fait, je me suis présentée, moi, je l'avais pas fini. La logique, enfin, la règle du jeu, normalement, on doit se présenter quand on a fini son roman. Mais moi, j'avais présenté un extrait comme tout le monde en sachant que mon roman n'était pas fini. Mais ça m'a reboosté parce que comme en fait j'étais dans la shortlist à la fin, et ben je me suis dit au cas où qu'il me demande mon roman, je vais le finir. Et je crois que ça m'a vraiment boosté pour finir mon roman. Voilà. D'accord. Une question intéressante également, vu qu'on parle aussi de Virginie qui est aussi auteur. Est-ce que par exemple une écriture à quatre mains serait un joli projet littéraire pour toi? Et si oui, pourquoi? Oui, ça me plairait beaucoup. En revanche, pour écrire avec une autre personne, j'aimerais vraiment qu'on ait des valeurs et des principes en commun. Je veux dire, je pourrais pas écrire avec une personne avec qui je ne partage pas les mêmes idées. Bien sûr que oui, au contraire, c'est ce qu'il y a de très intéressant. Mais les mêmes principes, les fondements de ce que je suis ou de ce que la personne est, il faut quand même qu'il y ait des similitudes entre nos deux personnalités au niveau des principes. Voilà. D'accord, Voilà. ok. Bah, merci à toi. Donc là, je suis en train de remonter donc toutes les questions. Merci à tous pour toutes vos questions. Il y a Sonia qui demande, vos personnages ont-ils des traits de personnalité de vos proches ou de vos amis? Alors, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, j'ai eu la chance d'avoir une petite interview d'Eva Kopp, qui est une journaliste toulousaine qui travaille pour Toulousescope. Et elle m'a posé cette question et je lui ai répondu en fait que je constituais mes personnages un peu comme on constitue des puzzles. C'est-à-dire que, en fait, c'est une part en fait finalement d'imaginaire. Je vais chercher au fond de moi, peut-être dans mon inconscient, hein, finalement, des personnes que j'ai connues ou c'est peut-être même certaines personnes, pour moi, certains personnages sont peut-être. Des fantasmes, de ce que j'aurais voulu, de ce que j'aurais. Vous savez, ça va très loin en fait, l'écriture. Et comme je ne me pose pas de limite à ce niveau-là, en tout cas, voilà. Oui, bien sûr, je me suis inspirée de certaines personnes, mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que je me suis inspirée beaucoup plus pour les traits physiques de mes entourages, des personnes de mon entourage. Mais pour ce qui est de la conception psychologique des personnages, je crois que je suis allée beaucoup plus loin, ouais. D'accord, ok, merci. Isabelle Fabre qui est là, bonsoir justement, et on parlait tout à l'heure de lui hors antenne. Comment il s'appelle, je retrouve son nom. Pour un live que tu avais Oui, rencontré. Charles Aubert. Voilà, Charles Aubert, bonsoir. Donc j'ai vu que vous étiez là, bonsoir à vous. Donc c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'en parler. Donc j'aurai l'occasion de reparler avec vous si vous souhaitez venir faire un live. Mais tu me parlais de lui hors antenne. Est-ce que tu peux me Oui. dire ce que tu me disais justement sur Monsieur Aubert? Je t'ai dit que j'avais eu la chance de le rencontrer au festival Polar du Sud. Je sais plus si c'est Polar du Sud. Non.
Ça, c'est Toulouse. Au festival, en tout cas, de Barcarès, spécialisé dans les polars. Voilà, il m'a dédicacé son premier livre. Charles m'a dédicacé son premier livre et j'ai trouvé très sympa parce que quand je lui ai dit que j'écrivais, il m'a encouragée et je pense qu'il doit le faire avec beaucoup de jeunes auteurs et c'est très important justement cet encouragement qu'on peut bénéficier de personnes qui ont de l'expérience avant nous dans le monde de l'écriture. J'avais trouvé ça très très sympa. Voilà. Voilà, donc effectivement, je renouvelle mon invitation. J'ai pas pu revenir vers vous avant pour les raisons que tout le monde connaît. Mais voilà, reprenez contact avec moi et on se prévoit un live quand vous voulez pour parler donc de votre roman qui est sorti au mois de mars l'année dernière. Il y a Sonia qui te remercie pour l'extrait que tu as lu, que ça lui donnait encore plus envie de lire son roman. Super. Que d'ailleurs, elle m'a dit que son banquier allait m'appeler pour gérer quelques soucis à cause de ça, à cause de tous ces lives qu'on fait sur le groupe. Xavier qui demande, as-tu des bêta lecteurs ou des alpha? Parce que lui est alpha ou bêta lecteur et même correcteur, si ça t'intéresse. Ah, c'est hyper. Oui, j'ai été voir son profil. Ça a l'air intéressant parce que finalement, là, si j'ai fait relire en fait la première fois mon roman à un ami. Qui m'a bien conseillé, qui m'a donné deux, trois astuces pour améliorer mon écriture, hein, parce qu'on s'améliore, on peut toujours s'améliorer. Et ensuite, j'ai fait lire mon roman à une copine, et puis ensuite, sans avoir trop de retours, finalement, après, je me suis lancée un peu à tête baissée, j'ai envoyé aux maisons d'édition. Et voilà, enfin, j'en ai envoyé plusieurs, hein, mais il y en a deux qui ont répondu. Et puis finalement, ben, j'ai choisi les presses littéraires. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de cette maison d'édition, les presses littéraires, qui d'ailleurs je les remercie puisqu'ils ont partagé l'information pour ton live de ce matin. Voilà. Oui, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux pour leurs auteurs. Ben, c'est une petite maison d'édition. Basé à Saint-Estève, dans les Pyrénées-Orientales. Du coup, une maison d'édition généraliste, mais ils font aussi d'excellents livres photos, des livres jeunesse aussi. Voilà. D'accord. Il y a du noir, il y a du moins noir. Enfin, on y trouve vraiment son compte, je On peut, trouve. voilà, celui qui lit de tout, il peut trouver son compte dans Voilà. cette maison, les presses littéraires, quoi. Donc voilà, une belle maison donc à découvrir, les presses littéraires. Eva Kopp, qui est là, bonsoir. On parlait de vous justement il y a quelques instants. Je ne sais pas si c'est ça qui vous a fait venir ou pas, mais en tout cas, bonsoir à vous. Merci d'être Merci à vous. là. J'ai pas d'autres questions pour le moment. Est-ce que justement, en attendant, tu as d'autres passions? La lecture ou l'écriture. À la base, j'aimais bien voyager, comme beaucoup, hein, on va essayer de reprendre ça tout doucement. Je suppose que, enfin, il va falloir qu'il y ait, il va y avoir certaines normes sanitaires, je pense, pour se déplacer dans certains pays maintenant. Notamment avec le pass sanitaire, tout ça. Donc, ouais, moi, il me tarde de pouvoir revoyager, découvrir d'autres endroits, d'autres personnes. Moi, j'aime beaucoup découvrir les pays, les gens, voilà, ça, c'est. Voilà, j'aime partir à la découverte. Mais même en France, hein, il y a des régions magnifiques. On est vraiment dans un pays merveilleux, quoi. Il y a tellement à voir. C'est chouette, Oui, c'est vraiment chouette. d'ailleurs, tu es le bienvenu à Marseille quand tu veux, hein. Ah, c'est super sympa. Ben, toi Voilà. aussi à Toulouse, je Eh te ben, l'avais pas de dit. souci. Oui. Eh ben, en tout cas, merci pour ton Je vais invitation. déménager bientôt là, ce sera un peu plus grand, ce sera mieux pour accueillir du monde. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Comme ça, on verra tous les copains sur Toulouse. Merci à toi. Et justement, est-ce qu'il y a une culture ou un pays qui t'intéresse plus qu'un autre et qui pourrait justement t'inspirer un roman? Alors, ça c'est beaucoup vu, mais les romans scandinaves. Les polars scandinaves, j'adore, je trouve que. Et je m'en lasse pas, dans le sens où. En fait, je trouve que ce sont des histoires qui sont très. Qui sont très. Enfin, je veux dire, les décors. Et comme moi, j'adore décrire, comme je te disais, tout ça, les endroits, les lieux, je trouve que c'est assez intéressant. Voilà. Ou sinon, alors. La question c'était, attends, parce que là, des fois, je suis partie un peu.
Si tu avais par exemple un pays ou une culture qui pouvait t'inspirer plus qu'un autre pour un roman, Ouais, pour... mais pas forcément dans la littérature, voilà, c'est ce que je veux Oui, dire. par exemple, oui. Oui, sinon, j'aimerais bien aller en Islande. Je Ah, suis très curieuse joli. du Japon. Ah, tu y as été? Ah, j'ai été en Alors, c'est... Islande, à Reykjavik exactement, la capitale. C'est vrai Ouais. que voilà, j'ai fait toute la côte sud et la côte est de l'Islande. C'est vrai que c'est un très beau pays. Et si un jour je deviens auteur, effectivement, ça pourrait m'inspirer. Mais bon, je ne suis pas encore au même niveau que, comment il Oh, bah s'appelle, non. l'acteur islandais, Ivar genre Jonasson, là, je ne sais plus si j'écorche pas son nom. Mais Ah voilà. oui, c'est Jonas, Jones. Oui, il y a deux auteurs islandais, ouais, j'ai lu il n'y a pas longtemps, il y a Jonas Ragnar, je crois, quelque chose comme ça, et il y a ici Indraldur Jonasson. Mais bon, je sais qu'il y a des spécialistes dans le groupe, ils pourront nous dire, il n'y a pas de souci. Mais Ouais, très beau pays, en du tout coup. cas, l'Islande. Ouais, ou sinon le Japon. Le Japon, je trouve que c'est tellement différent de ce qu'on est, en fait, nous les Latins, à être un peu envahissants Oui. parfois. Mais enfin. Là, j'ai rencontré une personne il y a pas longtemps qui revenait du Japon chez une amie, et c'était assez intéressant parce qu'il avait été. Les gens sont très polis là-bas, c'est vraiment. C'est pas comme nous qui nous imposons un peu les Latins, Ah, c'est vrai on est que très nous. expressifs parfois, un peu trop. Mais ouais, le Japon aussi, ouais. Oui, d'accord. Et justement, est-ce que tu as des auteurs ou des auteurs eux que tu as lus et qui pourraient t'inspirer? Alors, pas forcément spoiler ou copier, comme certains ont pu déjà le dénoncer, mais est-ce qu'il y a des auteurs en particulier où tu te dis, tiens, écrire dans son style, écrire dans le même genre, ça pourrait me plaire? Fred Vargas. Ah oui. Pourquoi lui en Même si. particulier? Du coup, c'est une femme, du coup. Bah elle, pardon, excuse-moi. Ouais. Et du coup, mais c'est vrai qu'elle a choisi un pseudonyme d'homme, un peu. Ça fait un peu. J'ai déjà entendu, je crois que je ne suis pas le seul à faire la gaffe. Hein. Je savais que c'était une femme, mais en même temps, je lisais un commentaire. Mais c'est vrai qu'on est plusieurs personnes qui disent lui en parlant de Fred, alors c'est une femme. Mais je trouve que c'est la reine du suspense. Quand on disait d'elle la reine du polar, moi je crois avant tout que c'est la reine du suspense. D'accord. Donc un style qui te plaît particulièrement, le suspense. Ouais. Je pense que quand on arrive à tenir quelqu'un le long de, enfin, toute une histoire, c'est jusqu'au bout, et qu'à la fin c'est waouh, c'est vraiment un coup de maître, quoi. Exactement. C'est très difficile à faire, hein. J'ai pas la prétention de dire que mon roman. Je suis pas revenue à ce but ultimement, mais pourtant, ce sera vraiment mon but dans ma carrière d'écrivain, arriver vraiment à pondre au moins une histoire une fois qui fait que c'est waouh. Moi, c'est mon premier roman, je reste assez humble par rapport à ça. J'ai plein de choses à apprendre, mais en tout cas, voilà, D'accord. Question intéressante. On voyait ton roman à l'instant à l'écran de Aurélie qui nous dit, alors question n'a pas été posée, mais as-tu suggéré la couverture de ton livre et quel est le rapport avec l'histoire? Justement, cette Alors, couverture, parle-en. c'est une très bonne question, Aurélie. Alors, en fait, je fais partie de la collection Premier Roman chez Des Presses Littéraires. Et du coup, en fait, c'est un design particulier. Il y a tout le temps, en fait, cette typographie, si je puis dire. À la base, en fait, je voulais que ce soit ma belle-sœur qui me fasse ma première de couverture. Finalement, mon éditeur préférait que ce soit autre chose, vraiment par goût, hein. Du coup, bah, moi, j'ai proposé une autre personne. J'ai envoyé l'Instagram de l'artiste qui est toulousain, qui s'appelle Brian Serra. J'ai envoyé l'Instagram à mon éditeur. Il m'a dit OK pour la première de couverture avec une de ses œuvres. Par contre, ce sera cette toile. Et elle s'appelle Mangrove Tropical, du coup. Cette toile, je l'ai chez moi, en fait, parce que je l'ai achetée, du coup, parce que je voulais la voir. Et c'est un tableau, à la base, c'est un collage, hein, maintenant. C'est de l'art plastique, du coup, et c'est très beau. Et en fait, ce qui était marrant, pour revenir au lien avec mon éditeur, c'est qu'il m'a dit, je veux que ce soit ce tableau. Et moi, c'est ce tableau-là que je voulais, en fait. Mais Ah. j'étais trop. Au départ, même posé, mais j'étais très contente parce qu'en fait, on a été connectés pour le coup pour la couverture, en fait.
Exactement. En tout cas, elle est très belle. On la voit à l'écran. C'est vrai qu'elle est très jolie. Voilà. Xavier Antoine qui nous demande, est-ce que tu as des rituels d'écriture? Est-ce qu'il y a, ça t'arrive parfois, tiens, de te dire, tiens, je vais écrire. Donc, parallèlement, dans ta tête, tu fais quelque chose automatiquement. Il y en a, c'est Alors, manger. ouais. Alors, en fait, j'ai des. Ouais, oui, je pense que j'ai des rituels. Par exemple, j'écoute de la musique quand des fois je sens que ça vient pas. Ça arrive. J'écoute de la musique, souvent de la musique sans parole, pour pas être influencée, même si c'est pas grave de l'être. Hein. J'écoute Hans Zimmer. J'écoute de la musique classique. Eric Satie. J'écoute Chopin beaucoup aussi, Nocturne. Je me mets dans l'ambiance écrivain du 19e, du coup. D'accord. Mais non, mais c'est. Ouais, j'écoute de la musique, ça me transperce. La musique d'Interstellar, par exemple, je sais qu'elle peut me. Elle me la bande originale du film me. Ça fait naître en moi plusieurs émotions et qui font que je peux écrire certaines choses. C'est marrant d'ailleurs que tu dis ça parce que cette question des rituels pour les auteurs, on la pose souvent et vous êtes beaucoup, vous les auteurs, à dire de la musique de Hans Zimmer. Pourquoi Hans Zimmer a tendance à inspirer les auteurs? Moi, je pense qu'il a, il a, en fait, il a le pouvoir, en fait, parce que c'est un pouvoir, je pense que c'est Mozart des temps modernes, hein. Mais je pense qu'il a le pouvoir de faire ressentir une émotion rien qu'avec de la musique. Et nous, les écrivains, je pense qu'on est friands de ça parce que nous, on cherche les mots comme on ressent, on écrit. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, en fait, on fait la connexion entre son écriture, son. C'est un lapsus révélateur. Entre son art, sa musique, et ce que l'on ressent, du coup, le mot. Et on le fait ressortir comme du mot, en fait. Et moi, c'est comme ça que je le perçois. Non, mais tu as tout à fait raison, parce que justement, tu parles de lapsus. Mais je ne sais pas si vous connaissez donc le groupe RG Laurie qui est parrain donc de notre groupe qui est auteur hein, qui est Ouais. connu en Angleterre même en France dans le monde pour ses romans Le Chant de l'Assassin et plus récemment son livre La Chaise Sonatine qui lui disait lui les musiciens et il fait aussi de la photo et il disait effectivement que faire de la musique bah, c'est pareil c'est écrire avec des mots et faire des photos c'est écrire avec des images et tu vois ton petit lapsus en fait il est révélateur puisqu'en fin de compte c'est réellement ça en fait la vérité. Ouais, enfin, franchement, c'est comme ça que ça me. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, j'ai d'autres. Je fume beaucoup quand j'écris, mais c'est. Il m'est arrivé de fumer 15, 20 cigarettes, un paquet, donc. Ah oui. Si je fais une séance de 12 heures la nuit, ça peut. Enfin, la nuit. Je peux commencer par exemple à 23 heures, j'écris jusqu'à 11 heures le lendemain. Enfin, ça Ah dépend oui, des c'est... moments de ma vie, parce que forcément, quand on travaille, c'est un peu. Enfin, je veux dire, quand on a un travail à côté, c'est un peu plus compliqué en ce moment, je ne peux pas le faire. J'imagine. Mais pendant les vacances ou quand j'ai un moment pour le faire, j'adore ça. D'accord. Et la journée, je dors. Et la nuit, je suis toute seule et j'écris. Voilà, donc t'écris essentiellement plus la nuit alors. Ouais. Ouais. Et justement, petite aparté, est-ce que le fait d'être jeune maman, ce n'est pas difficile justement pour ce travail d'écriture? Parce qu'en général, les bébés, ça dort là, c'est un peu comme les hamsters, entre guillemets, ça dort la journée, mais ça se réveille la nuit, entre guillemets. Et moi j'ai trop de chance parce que mon fils il a dormi très tôt. On le couche à. Là en fait, je vais aller le voir un petit peu après, mais on le couche vers 20h30 et il peut dormir pendant 12 heures, il se réveille pas. D'accord. Bon, ça, t'as de Donc la chance sur ce je coup-là. suis désolée pour ceux qui ont des enfants qui ne dorment pas, mais nous on a eu vraiment de la chance quoi. Du coup, non, c'est pas trop le souci, c'est plutôt organisationnel. La journée. Il faut travailler, ensuite il faut que je passe un peu de temps avec lui, j'ai mon conjoint, j'ai d'autres. Voilà, enfin, là, enfin, professionnellement, j'essaie de m'investir aussi, donc c'est. Voilà. D'accord. On ne peut pas tout faire. Non, j'imagine bien. Donc, en tout cas, je salue Aurélie qui doit nous quitter, qui souhaite une bonne fin de la vie, une bonne soirée à tous. Donc, merci Aurélie d'être passée. Votre nom est noté Bonne pour le soirée. tirage au sort, hein, je le rappelle, pour gagner un exemplaire donc de ton roman Douce Esquive, édité chez Les Ouais. Presses Littéraires. Donc, merci à vous Aurélie. Il y a Xavier Antoine qui pose une question intéressante et également, tout en précisant effectivement le nom de l'auteur dont je parlais tout à l'heure, c'est Arnaldur Indrason, l'auteur islandais dont j'ai parlé tout à l'heure. Et qui demande justement, est-ce que tu es plutôt écriture papier, ordinateur, téléphone? J'écris
Ah oui, c'est intéressant comme question aussi parce que j'écris sur l'ordinateur, mais par contre, il m'est arrivé d'écrire à la main, mais c'est des papiers oubliés alors qu'il y a vraiment des trucs hyper intéressants. J'ai une caisse et un jour, je pense que cette caisse, je la prendrai je piocherai au hasard. Et en tout cas, la première page de mon livre, la toute première page, c'est quelque chose que j'ai écrit à la main, que j'ai pioché dans cette caisse. Et en fait, finalement, ça a fait naître. C'est peut-être en fait ma petite. Comment on appelle ça? Ma petite boîte de Pandore pour faire sortir de moi, enfin, l'écriture au clavier, enfin, partir sur une écriture, voilà, plus numérique. Après, j'écris de temps en temps sur le portable, mais c'est quand j'ai tout d'un coup, subitement, une inspiration dans la rue, ça m'arrive, je vois une personne, je pense à quelque chose. Ou alors j'entends quelque chose aussi, mais je dis, mais ça c'est vraiment bien. Donc, je copie ce que j'ai entendu, clairement, mais où je le reformule. Ou alors des fois, vous savez, tu sais, il y a des gens qui disent des choses hyper intéressantes, peut-être qu'ils ne le détaillent pas, ou des choses qui méritent vraiment qu'on mette le doigt dessus, qu'on approfondisse. Et moi, je relève ça. Dans ma vie, les gens, que je le dis pas sur le moment, mais je relève vraiment quand j'entends une chose intéressante, et là je peux approfondir sur mon téléphone dans le bus, j'adore ça. Est-ce que c'est une coutume à Toulouse, puisque notre marraine qui est de Toulouse aussi a l'habitude d'écrire sur des post-it? Est-ce que c'est une Ah coutume non, à Toulouse d'écrire partout, sauf sur un ordinateur ou un téléphone? ben non, moi j'écris pas sur des post-it, non. J'ai écrit sur différents supports, des fois tout ce qui me passe par la main et ça atterrit dans la boîte, sur des billets de train, sur des tickets de caisse. Quand j'ai une phrase qui me plaît, boum, ça va dans la boîte. Mais après, non, j'écris pas sur des post-it, non, à part au travail, non. D'accord, ok. Bon, en tout cas, merci à toi pour toutes ces réponses. Je vois qu'il n'y a pas forcément de nouvelles questions. Donc, en tout cas, personnellement, merci à toi, Aurora, d'être venue parler de donc, ton univers livresque. On en a appris beaucoup sur toi. Donc, en tout cas, merci. Je remercie toutes les personnes qui ont posé des questions ce soir. Donc, je le rappelle, un exemplaire dédicacé de ton roman. Dédicacé. Un exemplaire de ton roman. Enfin, je ne sais pas s'il sera dédicacé. Oui, Lapsus, bien sûr, je peut-être. vous dédicacerai avec plaisir, oui, sur Voilà, la non. personne. Il sera dédicacé donc de ton roman donc Douce Esquive, édité chez Les Presses Littéraires. Donc voilà, merci à toi. Merci à toi, merci à tous ceux qui sont venus et qui ont posé des questions ou même qui ont écouté, Oui, c'est déjà super sympa. il y avait pas mal de gens qui étaient nombreux ce soir. Donc en tout cas, merci à toi. Je vais noter donc le nom de toutes les personnes qui ont posé des questions et je ferai le tirage au sort dès que possible dans la soirée ou demain matin. Mais en tout cas, vous serez vite tenu au courant et puis le nom du gagnant sera annoncé et il sera invité à prendre contact avec toi. Ça marche avec plaisir. Merci, merci à toi. Je te laisse le mot de la fin et puis bah, je te dis à bientôt. Et pour savoir, la rediffusion sera diffusée sur YouTube. Ben, merci à vous tous et à bientôt, j'espère. Si vous voulez venir me voir quand je dédicace par là, ça m'arrive. Peut-être un jour je dédicacerai. Là, je dois dédicacer à Narbonne en septembre. Je dois dédicacer à la librairie de Revel dans le Tarn au mois d'octobre aussi. Il y a quoi qui est prévu? En août, ce sera à la librairie Torquatis à Perpignan. D'accord. Voilà, une grande librairie. Si un jour j'ai la chance de venir dédicacer sur Paris ou ailleurs, j'irai avec plaisir. Sur Marseille. Et sur Marseille aussi, carrément, pour découvrir d'autres lecteurs La cité sur d'autres. phocéenne. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, merci à toi. Et puis, bah, je te remercie. Je salue donc toutes les personnes qui sont là. Voilà, donc c'est le mot de la fin. Merci à toi d'être là. Merci à tous d'avoir été présents. Je vous souhaite à tous une agréable soirée et je vous dis donc à très bientôt et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. À bientôt. Ciao, ciao.